Welcome to Africa Revealed. My name is Bienvenue sur la chaîne Afrique Révélée. Je m'appelle Patience Wimbabazi et je viens d'un beau pays des mille collines, le Rwanda, et plus précisément de Rwamagana. Rwamagana est dans la partie orientale du Rwanda et c'est à environ 60 km de Kigali, la capitale du Rwanda, et bien sûr, la ville la plus propre d'Afrique. Aujourd'hui, je vais particulièrement vous montrer cette belle ville de Rwamagana. C'est une petite ville, elle grandit encore, mais je vous promets que vous allez l'aimer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Je suis en route vers la ville de Rwamagana et j'ai du mal à marcher. C'est en effet quelque chose à laquelle je fais toujours face quand je me dirige vers la ville. C'est parce que la route qui va à la ville de ma maison est vallonnée. Si jamais vous venez au Rwanda, en particulier à Rwamagana, attendez-vous à voir les routes vallonnées. Donc si vous prévoyez de venir au Rwanda, bienvenue. Cette sculpture est parmi les premières choses que vous remarquez en arrivant dans la ville de Rwamagana. Autour de cette belle sculpture, il y a un certain nombre de petites boutiques où l'on fait du business. Ici, c'est la gare de Rwamagana. Cette gare a été lancée en 2019. Elle a la capacité d'accueillir 40 bus, avec un espace pour les petites voitures des commerçants. La gare de Rwamagana fournit des services aux personnes autour de Rwamagana et dans d'autres endroits. Parmi les choses populaires que nous avons dans la ville de Rwamagana, il y a cette paroisse catholique. Cette paroisse a été construite à la fin des années 1930. Elle a eu un impact positif sur la façon dont les gens vivent autour de Rwamagana. Elle a construit 12 écoles primaires et secondaires, elle aide également les élèves, qui ont besoin d'aide, à travers différents projets. Dans la ville de Rwamagana, nous avons aussi des endroits rafraîchissants comme celui-ci.
Nous explorons toujours cette belle petite ville. Au fait, j'ai cette question pour vous. Y a-t-il une ville que vous avez déjà vue qui ressemble à Rwamagana? Ou peut-être avez-vous déjà visité une ville qui ressemble à celle-ci? Dites-le-moi dans la section des commentaires. Je veux connaître cette ville qui ressemble à la mienne. Dans le secteur de l'éducation, nous avons différentes écoles autour de Rwamagana. Ici, c'est l'une des écoles publiques qui ont des classes primaires et secondaires. This is Rwamagana Rice Factory. Ici, c'est l'usine de riz de Rwamagana. Cette usine traite une variété de riz à grains longs. Elle est très utile aux agriculteurs des environs, car ils gagnent en vendant leurs approvisionnements en riz. Thank you.
Ici, c'est le deuxième plus grand hôpital de la province de l'Est. On y fournit des services médicaux primaires et des services médicaux spécialisés dans différents départements. On accepte les assurances locales et internationales disponibles dans le pays. Et voilà les amis, comme vous pouvez le voir, le gouvernement rwandais essaie de développer tous les endroits de son pays, et non seulement la capitale Kigali, comme certains le disent des fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un like, et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. À bientôt.